Half of the world sees success in me, the other half is second guessing me. But I kid you not, don't mess with me, cause I think I got something possessed in me. No matter what, I'm gonna give what's left of me. I didn't choose this life, it was destiny. Now I'm feeling like I might go psycho. Stand back, cause I'm feeling like I might blow. Same chance, but I'm putting up a fight. Yo les gens, c'est FatMac80HD, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Race to the Cup. Donc comme vous voyez, j'ai relancé une coupe China's Cup, hein, je vais tenter de la gagner. Donc vous pouvez constater que j'ai joué avec une nouvelle équipe sur cet épisode. Donc une équipe vraiment très très offensive, hein. Mata au milieu, Lucas au milieu. La défense ne change pas et l'attaque, j'ai voulu changer un peu, enlever Ibrahimovic, etc. Mettre Van Persie, Nani et Valencia qui va très très vite, hein. C'est surtout pour ça que je l'ai pris. Donc c'est une équipe encore assez chère. Bon, j'ai fait des modifications, comme vous avez pu constater, il me restait encore pas mal de crédits. C'est franchement, ça va être un bon petit match avec cette équipe, mais une équipe, enfin cette équipe ne va pas me convaincre. Et bon, je vais pas trop vous spoil non plus, je vais pas vous spoil sans plus tarder. Là, on va voir l'équipe qu'il a. Donc une Bundesliga, une vraiment une très très bonne équipe, hein, faut dire ce qu'il avait vraiment une grosse Bundesliga. Donc Gundogan, Gustavo, Elia, Reus, le Camerounais devant qui court très très vite, enfin Sénégalais, Diouf, Farfan, enfin voilà, de la Bundesliga assez rapide. Donc il avait décidé de, je sais pas, non c'est moi qui avais pas appuyé, donc je m'excuse, ouais j'ai pas accéléré les séquences là juste parce que c'est l'intro, donc voilà, je pouvais pas, voilà. Donc c'est lui qui va ouvrir le score assez rapidement. Donc au bout d'une minute de jeu, là vous voyez Reus, Marco Reus, c'est gros missile dans ma lucarne. Donc Casillas qui se retrouve vraiment qui peut absolument rien faire. Il est aux fraises. Je vais réagir assez rapidement, pardon. Dès la 13ème minute, enfin à partir de la 13ème, on va lancer une contre-attaque. Donc Ramirez qui percute dans la profondeur pour Van Persie qui vient couper. Van Persie dans ce genre de situation, il est juste monstrueux. Donc là, Diouf, il a la chance, il a le contre, et là, son Elia va me faire un show. Donc là, bon, mon joueur tombe, je ne sais plus quoi. La virgule, petit pont, et gros missile encore dans la lucarne. Il m'a mis deux fois le même but, sauf que celui-là est vraiment joli. C'est vraiment un très très beau but que j'ai pris. Donc là, célébration de la prière. Hop. Hop. Donc là, Thiago Silva pour Ramirez. J'ai de la chance, hein, j'ai de la chance. Je récupère le ballon. Ramirez la frappe, là, je commence à réagir. Parce que bah c'était vraiment un match où ça se jouait beaucoup sur le au niveau du milieu de terrain. Là vous voyez, hein, on est déjà à la 39e minute. Là j'ai fait sortir mon gardien, j'ai eu beaucoup de réussite, faut dire ce qui est. Ramirez, là avec Ramirez, je vais lancer Van Persie encore une fois dans la profondeur. Hop, petit compte favorable. Et bah, malheureusement ça ne me profite pas. C'était vraiment un match, j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec cette équipe défensivement, j'avais vraiment énormément de mal. Offensivement c'est un plaisir à jouer, mais là c'est compliqué, et donc là j'ai décidé de lui faire un petit show quand même, parce que bon, Nani, hop, hop, le petit crochet, enfin bizarre, et c'est dans la lucarne. Donc je me suis dit, il m'a fait un show, bon le sien était un peu plus joli, Vodinskier, je me suis dit que je me devais de lui en faire. Donc là, Juan Mata, pour Ramirez, Ramirez qui va lancer Nani. Même pas, enfin si, Nani, dans la profondeur, son gardien se trompe complètement sur la relance. J'ai bien suivi avec mon Nani, 3 buts à 2. Donc c'est pas non plus le plus beau début, hein. mais moi je prends. J'avais vraiment beaucoup de mal au milieu de terrain. Au niveau des occasions, vous voyez pas énormément d'occasions, mais c'est juste qu'il avait vraiment la domination. Donc là, je sais plus, à chaque fois je me rappelle plus, juste le scooter, hein, voilà. Et la passe PS pour Van Persie, ouais je sais. Des gens vont troller, c'est pas grave. Mais j'avais envie de marquer ce but. Je voulais me mettre à l'abri parce que j'avais vraiment beaucoup de mal contre ce joueur. Là il a encore beaucoup de chance. Contre favorable, Casillas ça rentre. Et bah non, Casillas va faire un sauvetage. Bon alors ça c'est du FIFA, hein. C'est les arrêts de gardien. Fin du match, je m'excuse, hein, je suis complètement claqué. Fin du match, 4 buts à 2. Donc j'ai vraiment eu très chaud sur ce match, vous allez voir les stats, au niveau des stats, je vous ai pas montré toutes les occasions, même si bon, voilà, donc il était devant au niveau des tirs, 5 cadrés, possession pareil, et j'étais derrière. Donc là, j'ai changé complètement d'équipe, vous voyez, j'ai modifié toute l'équipe, parce que défensivement, ça allait pas, Ramos, etc., ça montait beaucoup trop, donc j'ai choisi de bétonner cette équipe avec du Boateng, du Ramirez, du David Luiz, du Chiellini en défense, abatté. J'ai fait une pointe, Hazard, Tevez, Palacio. Et ça envoie. Hazard, je suis un peu déçu pour le moment. Mais je vais encore le tester. Une dizaine, quinzaine de matchs.
Puis voilà, de toute façon, c'est ça l'avantage, c'est que c'est des joueurs qui peuvent qui se revendent encore, donc autant en profiter, j'achète, je peux revendre. 10e minute de jeu, Boateng qui est lancé par Marcelo, Boateng le stop and turn, la frappe, mais c'est contré par un de ses collègues, donc c'était vraiment la première occasion du match. Je n'ai qu'à vous montrer un peu la première occasion du match parce que c'est toujours important, c'est toujours important. Donc là, Thiago Silva pour Ramirez. Pour Tevez. Alors Tevez, franchement, beaucoup ne vont pas comprendre ce choix. Pourquoi pas Agüero? Parce que je pense que vous avez vu que j'avais les crédits. Donc là, on voit le contrôle complètement foiré. Tout simplement parce que Tevez, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup en vrai. Et dans le jeu, je le trouve pas si mauvais que ça. Je le trouve pas si mauvais que ça. Donc voilà. Boateng, Tevez. Et alors là, voici le numéro 1 des cons. Hazard. Et moi, je suis un con. Donc je tire avec Palacio. Évidemment, Palacio est hors jeu. J'avais complètement zappé. Je sais pas pourquoi j'ai été complètement con. J'ai cru que le ballon n'allait pas rentrer alors qu'il allait rentrer. Et donc là, c'est un peu le fail, un epic fail de chaque vidéo. Quasiment, il y en a un. Enfin, c'est pas des occasions magnifiques qui tapent sur la barre. Donc là, le 1 contre 1, Tevez, son gardien l'emporte. On voit le corner. Donc j'ai choisi Boateng parce que Marcelo, c'est pas son rôle de les tirer. Et là, très grosse parade de son gardien sur la tête de Chiellini. Donc niveau tête dans la surface, j'ai vraiment énormément de très bons joueurs de tête. Donc là, Palacio qui va lancer David Luiz. David Luiz qui va se retourner. Boateng dans la profondeur pour Palacio. Palacio, le petit foulard, j'allais dire Ronaldo Shop. Et la frappe, mais c'est bien sorti par son gardien. Donc là, c'est le corner qui suit. Palacio, j'ai décidé de changer. En fait, je change Boateng, Palacio et Chiellini. Mais c'est, moi, j'ai cru au début, je la voyais dedans, et malheureusement, ce n'est pas rentré. Donc là, ça va être sa première occasion du match. Voilà, donc une très très belle frappe de Neymar, bien captée par Salvatore Sirigu. Ensuite, là, Sirigu va s'emparer du ballon. Là, c'est tout ce que je voulais montrer. D'accord, c'est super. Je sais pas pourquoi j'ai. Et donc là. Ouverture du score de mon adversaire alors que c'était sa deuxième occasion du match. J'étais dégoûté parce que bah, Charmont gardien, comme vous pouvez constater, il a de la chance, le ballon lui revient dessus. J'étais pas mal dégoûté. Donc là, Boateng qui fait parler la puissance, Boateng qui est vraiment monstrueux, c'est contré par le cul de son défenseur. J'avais pas beaucoup de chance sur ce match. Cette équipe dégage vraiment une puissance physique assez impressionnante. Et donc là, il va complètement trouer sa relance, Hazard. Je le tue, hein. Je tue le gardien, je suis pas là pour rigoler. Égalisation d'Eden Hazard, le petit prince de Belgique. Ramirez, David Luiz. Donc Tevez qui va la donner à David Luiz, qui va glisser sur Palacio. Hop, donc là c'est voilà, c'était du football quoi, une touche de balle, tac tac tac. Je voulais vous montrer ça, ça passait pas loin. Donc là, la fin de frappe avec, qui passe avec de la réussite. Le petit jeu en triangle. Tac, la tête de David Luiz. Donc David Luiz buteur, c'est vrai qu'à ce poste-là il monte beaucoup quand même. Puis de la tête, il apporte énormément. Et donc là, donc encore une erreur. Felipe Santana qui se trouve. Felipe Santana qui se trouve dans la relance. Heureusement j'ai bien suivi avec Palacio, mais moi je m'attendais pas à ce qu'il la donne là. J'ai suivi parce qu'on sait jamais. Et j'ai raison. David Luiz pour Tevez. Donc là Tevez, je faisais un peu le show. J'avais deux buts d'avance, c'était bientôt la fin. Autant tenter un joli but. Et son gardien la sort bien. Et là, ça va être le show Boateng, donc Tevez. Boateng, hop. Petite fin de frappe. Et la fin de coup du foulard, j'ai du mal. J'ai du mal ce soir. La Ronaldo Shop. La grosse balayette dans la surface de réparation de son joueur sur Boateng. Donc là, c'est penalty. C'est penalty. Et à 4 ans, je me suis dit, on va faire Thierry Salvatore. Donc je sais, des gens vont dire, c'est pas bien. Ouais, je sais, c'est pas bien. Mais au moins, mon gardien a marqué un but. J'aime bien faire marquer mes gardiens de temps en temps comme ça. C'est différent. Donc là, bon, j'accélère la séquence de fin de match. Donc je suis désolé hein, si vous, ça vous intéresse de voir les détails du match, etc. Mais c'est parce que le mec avait pour objectif de ne pas cliquer, de ne pas appuyer. Je sais pas. J'ai cru qu'il m'envoyait des messages. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, là, on va me voir appuyer sur le home bouton de la Xbox, enfin de la manette. Ça met beaucoup de temps, même en vitesse x2. Donc là, on revoit tous les buts, etc. Bon, ça va que j'ai eu de la chance.
J'ai eu de la chance, donc bon. Ciri Gomez du match parce qu'il a marqué. Et le détail, bah, le détail est clairement à mon avantage. Faut dire ce qu'il y a 15 tirs, 11 cadrés, 56% de possession de balle, 9 tirs, 7 cadrés pour lui, 44%. Donc là, on voit le bouton. Je voulais voir s'il m'avait envoyé un message. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et donc là, on se retrouve le lendemain. Donc cet épisode a été tourné sur 2 jours. Et on voit que la Chinese Cup a été expirée. Était expirée, donc j'étais dégoûté. Puis je me suis dit, allez, on va quand même faire 2 autres matchs pour. On va tenter de faire 2 autres matchs pour. Bah pour clore cet épisode, j'étais vraiment dégoûté parce que la Chinese Cup, je voulais la gagner à tout prix parce que 4000 crédits déjà, puis cette coupe, je l'avais pas. Donc bah pour le prochain épisode, ça sera sur la nouvelle coupe qui va arriver. Je sais même pas le nom, je crois que c'est la. Enfin, je sais pas. Je sais pas du tout. Là, on voit que l'adversaire avait une équipe africaine. Donc le concept est pas mal, mais son équipe est pas vraiment compétitive. On va voir sur ce match. Donc là, déjà, au bout de 3 minutes de jeu, j'ouvre le score par Tevez. Jolie combinaison entre les joueurs. Puis c'était vraiment, j'ai vraiment déroulé sur ce match-là. Donc là, Hazard, le petit coup du foulard, la tête plongeante, c'est bien sorti par son gardien. David Luiz, Boateng, le petit passement de jambe de Boateng pour Hazard. Hazard qui se retourne. Hazard, la fin de Ronaldo chope. Là, la passe stylée, la frappe de Boateng. Je tentais des trucs. Carrément, à 1-0, je me permettais de tenter ça parce que il avait vraiment du mal. Mais bon, j'ai voulu quand même clouer, enfin, mettre le deuxième but assez rapidement. Donc là, on voit Palacio, le deuxième but. David Luiz pour Eden Hazard qui glisse à Marcelo. Donc là, Marcelo qui déborde. Le centre de Marcelo. Donc le centre est vraiment mauvais de Marcelo. Mais bon, il y a Ramirez qui traîne en tant que joli renard des surfaces. Et Ramirez qui met une grosse patate dans la lucarne. 3 buts à 0. Et là, bah, le show hasard. Le show hasard. Et penalty. Penalty, penalty. L'adversaire en avait vraiment marre. Et il a rage quit. Il a carrément rage quit. Donc à 3-0, un rage quit. Il prenait vraiment très très cher sur ce match. On va voir les stats du match. Donc là, il y avait un bug, hein, vous voyez, je sais pas pourquoi. Les stats, hein, 7 tirs cadrés, 7 tirs pour moi. 7 tirs, 7 tirs cadrés, 55% de possession de balle. Il a tiré une fois, c'est un tir de très loin, donc je l'ai même pas mis dans le. Je l'ai même pas mis dedans. Et là, je me lance pour les quarts de finale de cette Coupe Gold. Donc toujours la même équipe. On change pas une équipe qui gagne, hein. Même si bon, j'ai changé la première. Donc cette expression ne veut pas dire une BPL. Donc une grosse BPL quand même, hein. Une bonne défense et une attaque bien, je vais pas dire cheatée, mais bon, tu connais le petit Balotelli devant, c'est très très physique et très puissant, enfin très puissant et très rapide. Donc voilà, donc là c'est moi, je crois que j'étais au téléphone, c'est pour ça que je n'appuyais pas sur le bouton. Et c'est lui qui va se procurer la première occasion, donc son Koné qui court tout droit, bien capté par Sirigu. Là je vais mettre vraiment beaucoup de, enfin je vais vraiment avoir du mal à me relancer. Regardez ça, David Luiz qui hésite à aller sur le ballon, Son Young, avec Son Young il va la donner. Enfin même pas, non c'est moi, c'est vraiment, j'avais vraiment du mal, c'était catastrophe dans la relance. Scott Parker, donc là je me faisais trouer, j'arrivais à rien. La frappe à ras du poteau et Sirigu qui se couche bien. Sirigu se couche bien. Donc là c'était vraiment un très très gros début de sa part. Donc là hop, encore un ballon qui passe à côté de Vermaelen. C'était ça, c'est toute la continuité de l'action. Là je suis encore dans la continuité de l'action. Donc là je me suis dit, faut lui mettre un petit coup, faut lui mettre un coup au moral d'entrée. Et c'est l'occasion que jamais. Donc là Palacio qui l'a donné à Abate. Avec Abate, je temporise, j'accélère pas tout de suite. Tevez, le petit gris-gris, le petit crochet pour Hazard. Donc là, Hazard, fin, Ronaldo chope, hop, et là j'ai beaucoup de réussite. Le ballon va taper, tape le talon de Ramirez, et bah j'ai plus qu'à la pousser au fond. Donc là, c'est vraiment un but de cocu, faut dire ce qu'il est. Donc là, Tevez qui lance Hazard dans la profondeur. Donc Eden Hazard, par contre, il est ultra rapide, même si je l'avais dit, doit être plus rapide que lui, je pense. Donc là, énormément de confusion au niveau de sa défense. Là, il tente un crochet dans sa propre surface. J'ai pas compris pourquoi. Palacio qui suit, mais son gardien fait le bon arrêt. Et donc là, ça va être vraiment une séquence assez. Je dirais pas insolite, mais une séquence où ouais, il va vraiment avoir du mal. Regardez ça. Thiago Silva, la reprise, son gardien. Un nouveau corner. Donc là, il va y avoir pas mal de corners à la suite. Donc là, Palacio toujours. Hop. Je la tire. La tête, ça passe à côté. Alors moi, j'ai pas compris. Son gardien qui la sort. J'étais là, je me dis putain, je suis maudit, je suis maudit. Donc là, on retire encore une fois avec Palacio et enfin, donc il a dit qu'il la met enfin. Donc une jolie tête plongeante d'ailleurs, qui a se logé dans la lucarne. Ça fait 2-0. Jamais 203. La troisième était la bonne. Donc là, je lance parfaitement Tevez. C'était la deuxième mi-temps. Je lance parfaitement Tevez. Et là, voilà. Et là, j'ai pas compris Hazard ce qui m'a foutu. Il m'a tapé un. À retourner, je sais pas pourquoi. Donc là, Son Young, ces joueurs, ils jouaient quasiment tout le temps pareil au niveau de ses attaques, c'est toujours la même chose.
Il courait tout droit, il pénétrait, il frappait. Et je ne sais pas pourquoi j'avais énormément de mal à contrer cette façon de jouer. Et donc là, regardez, je voulais lober avec Ramirez. J'ai appuyé juste sur la touche lob, plus tir, et il n'a pas lobé. Il a complètement tué un oiseau. Donc là, David Luiz, au milieu de terrain, David Luiz de la tête, c'est juste un truc de malade. Il prend tout. Il prend tout. Donc là, Tevez, son gardien qui la sort encore une fois. Son gardien qui la sort encore une fois. La touche, Ramirez, le missile, ça passe juste à ras de la lucarne, si je puis dire. Donc là, son Balotelli, voilà, c'est exactement ça, ce genre de but. Et après, il va plus y avoir de traction dans le match. Donc là, c'est la fin du match. J'accélère la séquence. Donc c'était Fatma80HD. J'espère que ce troisième épisode de Race to the Cup vous a plu. Je vous dis à la prochaine, les gens. Prenez soin de vous. Bye tout le monde. On voit mon avantage. Bye, les gens.